Bon, voilà, parfait. On va avoir un peu de viande. Et Lu, ouais, c'est bien, mais repose-toi, s'il te plaît. Et du coup, Nemo, s'il te plaît, si tu pouvais te dépêcher un tout petit peu, je t'en serais gré. D'ailleurs, Nemo, j'hésite à avoir une chambre à lui tout seul dans le complexe infirmier pour ce genre de cas, vous voyez. Allez, vraiment là, Lu, c'est vraiment la personne à ne pas perdre. Hein. Ouais, alors si tu pouvais quand même faire les choses mieux que ça, s'il te plaît, je t'en serais gré. Et l'infection a été traitée ici, hein. Ouais, tant mieux. D'ailleurs, au niveau de l'immunité, ça se passe comment? Au niveau de l'immunité, on est... bon, ok. c'est bon, allez soigner? Ok, super. Tu peux aller déplacer ce pot de fleurs, s'il te plaît? Merci, comme ça, ici, on a ce qu'il faut. Du coup, Christia, met blanc dans un endroit sûr. Ok, très bien. Moi, ça me va. Ici tout va bien. Bon, pour le moment, ici c'est la chambre de Blanc, mais j'aimerais bien que ça soit modifié au bout d'un moment. Olive, par contre, elle est vraiment. Panthère, ah oui, bah, c'est vrai que Panthère est toujours d'une mauvaise idéologisation. Ça, il va falloir vraiment régler ça. Hein. Mais il est à 55%, elle est à 55% de croyance, donc ça va aller, on va le faire. C'est vrai que Roy, du coup, quand il fait le ménage, quand il ne déplace pas. Et j'aimerais mieux quand même qu'il transporte, mais bon. Whitney, ça va? Dis donc, ça va pas, hein? Funérailles médiocres, sommeil troublé, colon mort, oui, bah oui. Trempé jusqu'aux os, vient de voir un cadavre, vêtements lambeaux, les cadavres putréfiés, ça le... Ouais, je vois. Hein. Oh, ça ira mieux quand t'auras un peu plus de plaisir. Contrôlé par Yastia. Ouais, du coup, les trucs miniers et tout, on va éviter pour le moment. D'ailleurs, Nemo... Ouais, Nemo, t'as une carabine, hein, t'avais avant le... Ah. Ah bah tiens. Nemo, t'es en train de prier, c'est bien. Est-ce que tu peux soigner Luce, s'il te plaît? Elle aussi, elle a une infection, du coup. On part sur ce genre de débat, hein. Ouais, du coup, l'infirmerie est pas totalement ce que j'espérais qu'elle allait être, hein, pour le moment, mais voilà, on va travailler dessus. Donc, je pense qu'il y a une des chambres qui va terminer. Bah, en fait, je pense que pour l'infirmerie, on va tout péter. On va juste garder une chambre avec les médicaments, et le reste, on va tout péter. Et puis, on va faire un complexe ici plutôt optimisé en mettant des trucs sympas et tout. Il nous faut vraiment une infirmerie classe, quoi. Mais du coup, pour la chambre de Nemo, je sais pas. Il faut voir. Parce que là, qu'on fiabilise un petit peu tout ça. Hein. Toi, Heater, t'es à combien de certitude? 76%. Ça va bien aller. Elle est à combien de résistance? Volonté 0,7. Résistance 5. Ouais, ça va. Ça va être bien. Bon, j'aimerais bien acheter des esclaves. C'est quand que je peux acheter des esclaves, s'il vous plaît? Je me souviens plus c'est quelle ligue qui fait en sorte qu'on puisse acheter des esclaves. Attendez, on va regarder dans les factions. D'ailleurs, j'avais pas besoin de changer. Alors, une union libre de voyageurs, enfin de voyages de robustes hommes cochons. Ils sont prêts à se faire des amis, même avec des museaux fins. Mais ils sont également prêts à lancer une bombe ou à ronger du cartilage humain en cas de besoin. Traitez-les avec respect et ils offriront leur aide à un allié dans le besoin. Retournez-vous contre eux et la dernière chose que vous entendrez pourront être des cris de bagarre triomphant.
Alors, ce peuple est depuis très longtemps... leurs ancêtres écrasés par des millions d'années auparavant, peut-être ont-ils survécu à un cataclysme ayant détruit toute trace de civilisation avancée. Quoi qu'il en soit, les indigènes sont un peuple nomade vivant de leur terre et utilisant des armes et des outils primitifs. Malgré leur faible niveau technologique, les indigènes peuvent être de dangereux ennemis et de précieux alliés grâce à leur férocité au combat et à leur nombre et leur courage. Ils poursuivent un mode de vie doux là où ils peuvent, et ils sont tout à fait ouverts au commerce et aux alliances, même avec des peuples étrangers. Ouais, mais c'est qui les esclaves là-dedans? Ça, c'est les tribus de Néandertaliens. Je vois pas de gens qui pratiquent l'esclavage là-dedans. Et le reste sont vraiment hostiles, quoi qu'il arrive, quoi. D'accord. Donc, aucun pourparler possible avec eux. Donc, lui, ça va, il bouge bien à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de nourriture pour bébé, hein. Peut-être même un peu trop. J'aimerais quand même bien bouger ce lit, en fait. Mais il faut le faire qu'uniquement quand Christia décide de vouloir allaiter son bébé. Comme maintenant. Vite, ça y est, il faut le faire. Baker. Maker, vas-y, il faut le faire vite. D'ailleurs, Rosev s'occupe de l'infection de... avec une qualité relativement... ça va. Ça va, en fait, lui. Hein. Lui va s'en sortir. Humphrey va s'en sortir également. Ce qui est plutôt, plutôt valeureux. Moi, ça me va, j'apprécie ce genre de truc. C'est bon, Blanc est dans la chambre de Christia et de ce qu'il faut. On va juste déplacer la table de nuit ici. Et ce lit-là. Bah, dès que la table de nuit sera déplacée, on va la mettre ici. La commode, on la mettra... là. Et mine de rien, après ça, il y a le poste high-tech et ce qu'il faut. Voilà, donc on est très très bien. D'ailleurs, le poste high-tech, j'ai pas du tout mis là où il le fallait. Hein. D'ailleurs, la lumière non plus. Mais la lumière, ça va, on peut la déplacer. Et le multi-analyzer finira juste ici. Je pense que c'est une bonne place. Et on sera pareil au niveau des recherches endgame avec ça. Et on est retourné au calme de Rimworld, où la vie continue son chemin. Et où je veux plus de mendiants, s'il vous plaît. Donnez-moi des mendiants. Je veux plus de mendiants. Et moins de bébés morts aussi, s'il vous plaît. Ah oui, puis lui, l'enfant comateux, il a carrément plus de tête, quoi. Ouais, je vois. Il est tombé dans le piège et voilà, quoi. Tu peux séparer la pièce et mettre du sol antiseptique pour accélérer la recherche. Ah. Oui, c'est vrai. Tu as raison. On fera ça... Alors, le souci, c'est que je viens de péter ces murs-là, mais... Mais en vrai, t'as parfaitement raison. On peut faire ça. Et puis, en vrai, ce qu'il faudrait aussi, c'est découper plein d'arbres. Et là, on est en train de découper les arbres, mais on les transporte pas. D'ailleurs, il y a plein d'arbres qui ont été repoussés ici. Il nous faut plus d'arbres pour... déjà, ça, c'est bon. Mais aussi pour le restant, quoi. Pour les sculptures aussi, parce que c'est vrai que Whitney bosse sur ses sculptures. D'ailleurs, peut-être... Non, il n'y en a plus de prêtes encore. Eh, Whitney, c'est une infirmerie ici, hein.
t'es pas obligé de t'enfiler un pétard. Mon dieu. Oui, c'est vrai que j'ai possibilité de faire pousser les arbres aussi. Tu as raison. Et même dans les fermes hydroponiques, il me semble que j'ai l'opportunité également. Si je sélectionne, la fibre de bois me donnerait du bois. D'ailleurs, ça pourrait valoir le coup de... Ouais. De permettre plus de bassins hydroponiques. De quoi qui était pas interdit? Je sais pas. Il faudrait que tu me le dises. Ça, par contre, aussi, ce qu'il faudrait, c'est la déplacer juste ici. Donc là, on a le complexe de prisonniers. Et là, on a l'infirmerie. Ce qui me semble pas mal. D'ailleurs, du coup, maintenant, on peut... démolir tout ça. Ça va faire une grande pièce. Hein. La drogue, ah oui. Non, pas spécialement interdit, quoi. Interdit pour certaines personnes. Surtout comme ça que je le vois. Fonderie électrique, je peux détruire. Hein. Extrait des débris d'acier, mais peut-être aussi des armes. Hein. Recycler des armes, par exemple. Je peux dire uniquement les biocodés. Ouais. Tout effacer. Les armes biocodées. Le souci, c'est que si je fais une arme biocodée de mon côté, faudra faire attention. Répétant en boucle. Quoique non, en fait, on fait jamais des armes biocodées dans Rimworld. Parce que j'aimerais bien recycler ça, parce que mine de rien, ça a quand même une sacrée... c'est assez cher, il me semble, comme arme, ce truc-là. Et du coup, c'est un peu chiant. Alors, toi, c'est bon, tu as l'immunité développée. Et toi aussi, bah voilà, bah parfait. Tout va bien. Et puis en plus, on a le bébé qui dort. Les parents sont heureux, attente modérée. Alors, du coup, c'est ici, c'est... Gabu, Boubou, Bama, Bobo, Na, Bobo. Ok. Très bien. Bah, merci beaucoup. Ah. Gabana, Gae, Bu, Gouba. D'accord. Bah, faudrait le faire manger un petit peu quand même. Hein. Christia, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais ne pas oublier ton enfant, s'il te plaît? Ah là là, c'est quand même bien. Oh purée, Nemo qui s'enfile un joint, quoi. D'ailleurs, Nemo et Olive, vous vous aimez toujours pas, on est bien d'accord. Olive est où? Ouais, je m'occupe pas, hein. Je me demande pas ce qu'il fait là, Whitney, c'est pas mon problème. J'essaie de trouver Olive. Alors, je sais, j'aurais plus de chances de cliquer sur elle pour la trouver. Allez, là. Ah, 0,17% de chance, Vadim. Pas terrible. Hein. Et si c'est Olive qui fait le move, hein. D'ailleurs, Nemo a l'air de pouvoir maintenant draguer. Eh, j'avais totalement zappé, mais du coup... Mais du coup, ça y est, Nemo peut commencer à avoir de la romance. Ah oui, ouh, ça pique par contre les chances, hein. Vraiment. Nemo, pour le moment, j'ai l'impression qu'il est pas apprécié. D'ailleurs, Whitney, tu transportes quelqu'un. Minoka, tu fais quoi? Tu transportes acier. Alors oui, mais est-ce que tu pourrais transporter le bois, s'il te plaît? Et du coup, Resolve, tu te reposes, mais... non. Roy, tu dors, mais tu pourrais transporter le bois, toi aussi. Nemo, si tu pouvais transporter aussi une partie du bois.
Krustia, tu dors, bah écoute, dormir c'est bien, mais le bois c'est bien aussi. Je veux vraiment rapatrier plus de bois possible hein, pour pouvoir construire ce qu'il faut par ici. Du coup, Heater doit avoir une belle chambre. Hein. Extrêmement confortable, donc du coup, ça va. Oui, par contre, effectivement, il faudrait peut-être lui mettre des vêtements. Lui mettre à disposition des vêtements. Ouais, je vois, je vois. Ah, je pense que c'est pas non plus le truc le plus. Voilà quoi, le plus important au monde, non? Genre, on s'en fiche des vêtements. Olive aussi, tu dors dans quelle chambre? Ah, pourtant, tu dors dans une chambre vraiment très sympathique. Ouais, c'est le sevrage à l'alcool qui te fait chier. Et lui est entièrement guéri, ça c'est bien parce que c'est un petit peu celle qui construit dans notre colonie, donc. Donc voilà, on apprécie. Elle dresse en vraiment en priorité, mais constructeur. D'ailleurs, du coup, maintenant qu'il y a la nouvelle qui va prendre le relais à ce niveau-là, je pense que ça va être plutôt dans cet esprit-là qu'on va orienter la colonie. Hein. Donc Lu full construction et agriculture. D'ailleurs, Minoka, maintenant, la construction. Ah, mais la construction, t'aimes bien aussi. Miner. Alors, tu vas peut-être prioriser le minage parce qu'on a déjà quelqu'un dont laquelle la construction est importante. Ah, mais du coup, non, on ne mine pas ça. Minoka, si t'allais miner ça. Ouais, Mignonia. Ah, Mignonia. Je sais pas comment on prononce, mais voilà. On va plutôt partir sur un autre débat. Voilà, faut miner ce marbre. C'est important pour nos défenses. J'ai hâte de chasser tout ça aussi, hein, au bout d'un moment. Donc du coup, faut Kitter se mettre vraiment en voie de le faire. D'ailleurs, Lu aussi, tu bois une bière, mais faut pas que tu oublies ton arbre. Hein. Purée, l'arbre vraiment. Ah purée, faut élaguer l'arbre. Je peux pas te laisser faire ça. Mais est-ce que c'est une tâche considérée comme de l'agriculture? Parce que là, le souci, c'est que là, on a une dryade, mais la dryade, bah, je sais pas où elle est passée d'ailleurs. Mais l'arbre est tellement dégueulasse. C'est de l'agriculture. Donc elle irait probablement certainement beaucoup plus rapidement si jamais elle faisait plus d'agriculture. D'ailleurs, je pense que la prochaine connexion qu'on fera avec ce type d'arbre, ce sera pas lui. Hein. Ce sera très clairement un de nos agriculteurs agréés. Comme Panthère, par exemple, hein, qui fait ça de sa vie depuis toujours. Mais également Nemo et Resolve. Et Rosvoz, pardon. Je sais pas si ça vous rend fou le fait que je prononce mal les mots, enfin mal les noms à chaque fois. Ça y est, la dryade commence à pousser. Ah, je pense qu'on l'a perdu notre dryade hein, à cause de l'élaguement des arbres. Mais elle est de bonne humeur, hein, malgré tout. Grosse faim, ouais, fatigué, ouais, mais son travail l'intéresse et la connexion avec Maker est vraiment cool. Donc voilà, va te reposer et puis ensuite, dès que tu t'es reposé et que tu as pris du plaisir, on va continuer dans cette direction. Et on a plus de coton, et ça c'est bien.
Parce que le coton, du coup, va pouvoir servir à nos constructeurs qui vont aller continuer les chambres. Et ça va se faire petit à petit, donc je suis quand même vachement content. Par contre, ce qu'il faudrait, là, c'est quelqu'un pour vendre. Très clairement, on a besoin de vendre. Donc d'avoir de l'argent, donc d'acheter des armes cool et des trucs sympas. Ça va être vraiment ce qu'il faut, là. Et ça fait plaisir de voir que ça bouge beaucoup, là, au niveau de l'agriculture. Qu'ils sont à peu près à jour sur toutes les parcelles de terrain. Moi, je trouve ça bien. Et par contre, le houblon, on va peut-être en faire un peu moins. Alors, je pensais pas à ce point-là, mais voilà. Genre ça, par exemple, c'est du houblon. Mais du coup, maintenant, c'est autre chose, ça. Genre, je sais pas moi, des trucs sympas. On avait un peu de... Ah oui, c'est vrai qu'on a retiré le colorant. En vrai, ça peut être sympa de faire un peu de colorant. On n'a pas de maïs encore, hein. Bon, on va prendre du maïs. Voilà. Quel est l'état d'olive? Olive... elle est en sevrage d'alcool. Donc, faut pas la déranger, quoi. Elle a une oreille en moins. Le mouvement est à 50% à cause du sevrage. Vraiment, elle a besoin de boire une bière, quoi. Bon, le truc, c'est que ici, la fermentation est en courte progression. Et il n'y a plus de bière. Ah, si, il y en a 23. Il y en a 23, mais j'ai l'impression que pour le moment, elle craque pas, donc c'est bien. On va continuer comme ça. Bon, du coup, Roy, voilà, quoi. Il y avait une option pour faire en sorte que tous les colons puissent se mettre à la couleur préférée, non? Supprimer la tenue. Habit forcé. Coiffe tribale en tissu normal 10%. Ah oui, peut-être modifier ce genre de truc, hein. Ça pourrait être bien. Alors, je sais pas du tout comment... Ça, c'est quoi? Portée 0, 1, 2, 3. Ok. D'accord. Oui, donc en fait, on peut gérer les trucs un peu comme si c'était des règles, quoi. Et nouvelle tenue, supprimer la tenue, et en fait c'est des tenues quoi. Et gérer les tenues, si. Par exemple, je fais une nouvelle tenue, tenue 6, et en fait je peux sélectionner un petit peu... Ouais, ok, d'accord, je vois le genre. Partir de 50%, c'est considéré en lambeau. Ouais. D'ailleurs, du coup, va falloir bosser là-dessus. Parce que du coup, j'aimerais bien avoir plus de vêtements. D'ailleurs, on a le cuir, hein, très clairement pour ça. Des vêtements en cuir. Ça pourrait être quand même vachement sympa et aider à dépenser ce cuir. Moi, j'aime bien l'idée. Pendant ce temps-là, Christian fait une superbe femme au foyer. On va mettre un seul carrelage antibactérien de la mort dans cette pièce et ça va être le feu. Et il faudra qu'on mette une belle sculpture aussi. Voilà. D'ailleurs, planning au niveau du... Le bébé n'a pas encore planning, ok. C'est dans le tableau d'opinion, c'est-à-dire... De quoi? Option. Où ça, option? Option, tu veux dire là-dedans, c'est ça?
Sur vêtements et la qualité, ok. Donc dans les... Ici, peut-être. Je suis chiant, désolé pour ça. D'hiver, peut-être. Non, ça, c'est type de vêtements. Ici, humain. Gérer les tenues, habits forcés. Bah, je lui ai dit d'arrêter de faire des habits forcés, d'accord. Oui, point de vie. Point de vie, c'est-à-dire. Ah oui, tu veux dire pour mettre à 50% les gens qui... Ouais. Et du coup, faut qu'on... Ouais, t'as raison. Tu sais quoi? On va faire ça. Tâche. Alors, nous, ce qu'on veut... Alors, il me semble qu'on était parti pour avoir des trucs sympas, genre... ce qu'il a là, c'est un truc de tête, hein. Une coiffe tribale. Alors, le souci de ça, c'est que on va bientôt changer, hein. On va bientôt passer à des trucs genre un peu plus vénères comme des casques de protection. D'ailleurs, on peut fabriquer des gilets pare-balles ou pas? Pas encore, hein. Je crois que c'est pas encore le cas. Vêtements pare-balles, effectivement, ça il faut. Il faut qu'on bosse là-dessus. Après, l'artillerie qui nous permettra de construire des fusils à pompe automatiques, il faudra qu'on soit sur les trucs pare-balles. Ensuite, nous, de notre côté, ce qu'il nous faut, c'est des t-shirts et des... alors, t-shirt. Alors, t-shirt et pantalon. Important. Pantalon. Classique. On va faire répéter X fois jusqu'à en avoir X et on va voir ça. Alors, actuellement, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il nous faut 12. Non, pas. Ça me paraît un peu exagéré. Alors, on dépense pas de tissu, on dépense pas de synthé, on dépense pas d'hyperfibre pour le moment. Les laines, ça me va. Les cuirs. Les cuirs, je veux. Les cuirs, on peut prendre tout, il n'y a pas de souci. Non, on va prendre que le cuir normal pour le moment. Au pire, on changera par la suite. Alors, le trombeau, ça va être intéressant. Pour le moment, on va cocher, mais on va laisser ça comme ça. Alors, la laine humaine, enfin, le cuir humain, on va éviter. Arrêt quand satisfait, on reprendra à 7, ça me paraît bien. Uniquement les ingrédients autorisés, oui. Donc ça veut dire ces ingrédients-là. Alors, on veut... Pour le moment, on veut du normal. On va essayer d'avoir du normal en tout état de cause. Et on en veut 12. Recherché partout, c'est-à-dire. Oui, d'accord, recherché partout. Compter les équipés, non. Compter les souillés, non. Et je veux... Je veux ça. Et le même type de choses ici. 12. Les cuirs. Hop, on autorise les trombeaux parce que c'est quand même quelque chose de pas mal. Ça, il faudra qu'on commence à les chasser d'ailleurs. Voilà. Rayon, pareil à peu près. On veut que du normal minimum. Arrêt quand satisfait, reprendre à 11, ça me paraît un peu exagéré, mais bon, voilà. Uniquement les ingrédients autorisés, oui. Et voilà. Très bien. Donc du coup, maintenant, je veux qu'on ait dans nos stocks uniquement 12 t-shirts, 12 pantalons. Et au niveau des coiffes tribales, pour le moment, on va aussi faire ça. Même si par la suite je ne veux pas que ça arrive. Du coup il faut de la laine. Hein. Bah du coup ce sera fait en laine ou en diable étoffe. C'est moins important. Hein. J'en veux quand même 12, on sait jamais. Ok. Très bien. On part là-dessus. Alors.
Rechercher partout, les ingrédients autorisés, arrêt quand satisfait, reprendre à zéro, c'est pas la peine d'exagérer. Et puis ben, avec tout ça, ça me semble bien. Ok, il nous faut vraiment un autre chasseur. D'ailleurs, les coiffes tribales, c'est moins important, très clairement. Donc on va les descendre jusqu'en bas. Voilà. Donc du coup, ça va nous donner un moyen de dépenser tout notre cuir et derrière de pouvoir enfin autoriser les colons à porter des vêtements qui sera quand même mieux. Voilà. Pendant ce temps-là, Heater, le boss Increase, c'est 4,2%. Et on a des grossistes qui arrivent. Ça, c'est cool, ça. On va pouvoir vendre et tout. Ça tombe bien, on a de quoi faire à ce niveau-là. Il nous faudrait un nouveau Megatherium. Hein. Je vous avoue que ça m'intéresse quand même beaucoup. C'est vrai qu'il nous reste plus beaucoup de... Il nous reste encore des armes juste ici. Donc t'inquiète pas, Arphénix, on va régler le souci après au niveau des armes. Enfin, au niveau des règles de vêtements. Pour le moment, on va faire ça. Alors ici, ils mettent du riz, ce que je ne voulais pas, mais bon. On va mettre plutôt de la fibre de bois. On va en mettre deux de fibre de bois. Et ici, ce sera... Honnêtement, le riz, c'est bien. Voilà, donc on va rendre... Alors, je t'ai envoyé sur Discord le setting à modifier. D'accord. Je regarde ça tout de suite. Alors. C'est dans... Ah oui. D'accord. Moi, je pensais que tu voulais me... Je pensais que tu voulais me montrer l'option pour pouvoir faire en sorte que les colons puissent porter et colorer eux-mêmes leurs vêtements en la couleur qu'ils préfèrent. Je pensais que c'était ça que tu voulais me montrer en fait. Mais non, du coup, oui, effectivement, pas de souci. Merci en tout cas de ton. Et il me semble que c'est peut-être du mode ça. Hein. C'est peut-être modé. Hein. C'est peut-être uniquement à partir de ça que tu peux le faire. Mais ouais, du coup, merci pour l'info. Alors, on peut acheter une jument et un étalon. Ce qui serait pas si mal que ça, honnêtement. Ah non, non, t'excuses pas, hein, c'est entièrement moi le fautif, hein, entre guillemets. Je t'ai mal indiqué ce que je voulais. Désolé pour ça. Alors, on va vendre tout ce qui n'est pas du cuir normal. Alors, par contre, la fourrure, on va garder. Parce que. Alors, pas la fourrure de renard, par contre. Parce que ça va être important. Les joints de Smokeleaf, on va vendre également. L'ambroisie aussi. Le Good Juice aussi. Le Luciferium, on va éviter. Pack d'orso. Oui, mais ça, on va l'apprendre, on va le mettre tout à l'heure. Les bières, honnêtement, j'hésite à les vendre. Voilà. Ici, on a la coiffe tribale juste ici. Voilà. Et là, c'est à 51%. Les guenilles d'enfant, c'est bon. C'est bon, on va garder ça. En soi, le reste... Le reste, on n'a pas spécialement besoin. Je prendrais bien un peu d'or ou de bois. Le Luciferium, ils en ont pas. Ou de l'acier. Non, de l'acier, on en a quand même beaucoup. Hein. Ouais, mais l'acier, ça commence à baisser. Hein. En vrai, j'ai envie de vendre une partie de ma bière. Pardon, c'est plutôt par ici qu'il faut le faire. Mais en soi, non, on va pas le vendre. Peut-être que s'ils ont des médicaments, je veux bien. J'ai pas vu s'ils avaient des médicaments ou pas, ce n'est pas le cas. Donc du coup, on va rester comme ça. Et puis on va leur offrir... On va leur offrir des cadeaux, comme ça ils auront un peu plus de... Ouais, c'est parfait, moi ça me va. Voilà, comme ça on est passé à 14 de relations avec eux. Et on a un peu plus d'argent, ce n'est pas perdu.